Artiste voyageuse, Anne Stenlen parcourt le monde depuis de nombreuses années. Elle dessine, elle peint, au gré de ses impressions et de ses rencontres. Elle porte sur le monde un regard sensible et passionné. Anne a publié plusieurs carnets de voyage, récits profondément humains et singuliers, témoignages de sa rencontre avec un pays. À l'école. Anne promène aujourd'hui son regard et ses pinceaux au large de l'Afrique, dans l'archipel du Cap-Vert. Ancienne colonie portugaise, l'archipel du Cap-Vert est un carrefour dans l'océan. Fogo, le feu, c'est de lui que vient le nom de l'île. Il sommeille aujourd'hui, mais il a souvent grondé. Pour la dernière fois en 1995. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est les destinations où je peux sentir la terre, les éléments. Et là, j'adore être pieds nus sur le sol. Je sens que je suis vraiment au cœur de la vie, quoi. Ouais, il y a beaucoup de vie, en fait, dans ces roches qui ont l'air mortes. Mais en fait, c'est d'ici que tout part.